Et salut les gars, c'est Zakelion et aujourd'hui on se retrouve pour Assassin's Creed Origin. Et oui, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ferai le jeu de Assassin's Creed Origin parce que, eh bien, parce qu'il faut la finir. Et qu'il faut que je fasse une vidéo sur les... Enfin, que je fasse une histoire fantastique sur Wattpad de l'Égypte antique. Et j'ai pas mal avancé dans le jeu. La dernière fois, on était... Au niveau 24. Et là, maintenant, je suis au niveau 25. J'ai fait une amélioration sur celle-là, qui permet de... des équipements plus rares dans les boutiques. Et j'ai pas trop j'ai fait deux ou trois missions, quête annexe, je veux dire. Et c'est tout. Aujourd'hui, avant d'aller avant de faire la quête principale de la quête de les écailles du crocodile, On va attraper ces vermines et en finir. Partez! Oh, allez! Libérez-moi! Laissez-moi faire couler leur sang! Massacrer ces chiens jusqu'au dernier! Trouve ce chien et 68. Vous auriez dû me tuer! À vous de crever maintenant! Massacrer ces chiens jusqu'au dernier! Tu es Bayek de Siwa, n'est-ce pas? J'ai entendu pas. Je suis Théodoros, l'un de ceux qui s'opposent au Philakitai. C'est ce qui t'a conduit dans cette cage. Oui, une attaque ratée. Je n'aurai de repos que lorsque sa carcasse sera sous terre. Accepterais-tu de nous prêter main forte? Avec plaisir. Ta cause est juste. Parfait! Mes hommes et moi, nous allons nous regrouper à Bakias. Viens avec nous! Comment un grec se retrouve à défendre la cause du peuple d'Égypte? Ma mère était grecque. Mon père, égyptien. Le vent va faire tournoyer le sable. Nous avons failli réussir. Nous avons trouvé son campement,
mais ils étaient plus nombreux. Nous avons dû battre en retraite. J'ai été capturé par un convoi d'éclaireurs et battu jusqu'à ce que je révèle notre lieu de repli. Mais à la place, tu les as conduits dans un piège. Bravo. Je savais que mes frères me libéreraient, mais j'ignorais que le Medjay de Siwa serait parmi eux. Mon groupe a beaucoup de respect pour toi. Nous avons passé des années à traquer Rujek, avant d'apprendre que tu t'en étais occupé seul. Nous allons nous installer ici, et attendre le bon moment pour frapper. Aligne-toi sur moi. Je vais t'étriper. Allez, j'ai besoin d'aide. Allez, par ici. T'aurais pas dû venir ici. Et voilà ce que j'appelle une illumination. Avant, je faisais, avant j'inventais des techniques, mais aujourd'hui, je fais plus. Je vais me renseigner. Les chiens. Ils ont envoyé des groupes d'éclaireurs. Théodoros, Deratos a quitté le campement. Deratos est parti. Nec, il m'échappe encore une fois. Que faut-il faire? Réfléchissons. Nous avons là une occasion unique de faire d'une pierre deux coups. Nous allons attendre le retour de Deratos au campement. J'ai appris que son scribe personnel était resté en arrière à Karanis. Si l'un de nous montre son nez là-bas, il sera repéré. Toi, ils ne te connaissent pas. Alors ramène-nous le scribe. Il nous dira ce que nous voulons savoir. Comment le trouver? La nuit, il dort dans la cour. Pendant la journée, il travaille quelque part dans le temple ou sur la terrasse qui surplombe le lac. Il est habillé avec élégance. Et depuis l'échec de notre attaque, des gardes l'accompagnent. Tu ne peux pas le rater. C'est Geriet. Une ville grecque, une ville romaine dans un pays égyptien. Bah ça, je mettrai pas des villes égyptiennes dans mes... Je mettrai pas des villes égyptiennes dans... Enfin non, je mettrai pas des villes romaines dans mes livres. Hein. Enfin... Des villes de... Ce sera que des égyptiens. Bingo, il est là. Maintenant, je vais y aller. Par là, c'est... En mode assassin, parce que... Faut pas que je me fasse... Faut que je...
que je fasse d'après la tradition. Attendez, juste un moment. Je les garde. Non, enfin si, hein, tu gardes, mais... Est-il vraiment nécessaire de me suivre partout? Ce sont les ordres du général. Nous ne devons pas te quitter. Il s'inquiète trop. Je ne risque rien. Deratos ne prend aucun risque. Les rebelles peuvent frapper à nouveau. Nous sommes sur nos gardes. Ça sent bon. Cet endroit est très bien gardé. Hey! Attention. Voilà donc le scribe. Ivre mort, coupé du monde. Il ne tardera pas à revenir à lui. Il faut que je le ramène à Théodoros. Morias Reculez! Ceci ne vous concerne en rien. Continuez à faire ce que vous faisiez. Oula, on mène là-bas? Non, moi je veux... un petit bug. C'est lui. Bien joué. On va lui délier la langue. En attendant, nous devons préparer notre attaque. Certains de nos frères sont installés près de Soknopayou, à l'ouest. Va les voir, et attendez mon arrivée. Nous allons en finir avec ce Neket Yadet. Un scribe qui connaît très bien Karanis. Deratos, où est-il? Je ne connais personne de ce nom. Ne joue pas avec nous! Pitié, arrêtez! Alors parle! On va te casser les doigts. Non! Puis les poignets! Faites pas ça! Où est Deratos?
Bene? Parle! Wow! Je ne peux pas! Tu trouveras les autres rebelles à l'ouest de Soknopayo. Un autre meurtre, Paramon, c'est horrible. C'est le jeune prêtre du temple. Que les dieux nous protègent. Qui sera le suivant? Personne n'est à l'abri. C'est ce maudit temple. Je l'avais bien dit. C'est un blasphème. Les dieux sont en colère. Reculez! En arrière! Reculez! Ceci ne vous concerne en rien. Continuez à faire ce que vous faisiez. C'est toi le Phila Kitaï? Oui. Évite de mettre les pieds n'importe où. Mon travail est déjà assez difficile comme ça. Ah, pardonne-moi. Je suis un protecteur. Ce genre de lieu m'attire. Tu es protecteur, toi aussi? Ah, je vois ton insigne. Tu es un Medjay, et de l'ancien royaume. Oh, pardonne-moi. Toutes ces horribles histoires nous ont mis à cran. C'est le dernier d'une série de meurtres rituels dont on sait qu'ils sont commis par des adeptes de Wadjet. Pour être franc, tout ça me dépasse. Je pourrais peut-être t'aider. Ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à un meurtre. Tu accepterais de m'aider dans mon enquête? Les adeptes de Wadjet laissent souvent un message. Message que je n'ai pas encore trouvé. Nous pourrions inspecter le temple. Tu dis qu'il y a eu d'autres meurtres. Ce groupe d'adeptes de Wadjet tue des acolytes des temples et des figures publiques de Karanis. Personne ne sait pourquoi. Leur prochaine victime peut être n'importe qui. Les Grecs sont terrorisés. Ils pensent que c'est le fait des Égyptiens et ils appellent au massacre. Τι συμβανέστη! Παιδες, λέξω! Μόριας παρασκευάσματα του Ραμεστίν! On peut dire qu'ils ont bien choisi leur moment. Des années de travail consacrées à recouvrir ce temple égyptien mal construit, ensuite les retards qui s'accumulent, et maintenant ça. On nous presse de résoudre cette sale histoire. Mais je t'en prie, fais comme chez toi, profite du temple. Beaucoup de sang. On a attaché quelqu'un devant la statue et on l'a torturé. Apparemment, on lui a fait de nombreuses entailles avant de le traîner dehors. C'est sûrement ce pauvre acolyte. Il n'y avait personne d'autre ici. Mais pourquoi agir ainsi? Un dieu grec qui remplace un dieu égyptien.
De quoi déclencher la fureur de certains. Quelqu'un a aspergé le dieu de peinture verte. Et la tête a été recouverte. Un instant. Il y a autre chose là-haut. Le visage de Sarapis a été caché et profané avec de la peinture verte. Et on a placé ici un masque vert de Wadjet. Wadjet est la déesse protectrice de la Haute et de la Basse Égypte. Quelqu'un a laissé un message très clair. Mais comment est-il monté ici en transportant tout ça ? Paramon. C'est écrit avec du sang. Encore humide. Les meurtriers vont maintenant s'attaquer au grand prêtre. Il faut le prévenir. Le Philakitai doit savoir où il est. Philakitai, j'ai trouvé le message des adeptes. Le grand prêtre sera leur prochaine victime. Le grand prêtre ? Oh, par Sarapis, non. S'il meurt, l'esprit de Karanis s'éteindra. Il faut le trouver. Où est-il ? Réfléchis, Philakitai. Sa villa n'est pas loin d'ici. Je connais un endroit qui la surplombe, à bonne distance. Par ici. On peut apercevoir tout le secteur depuis le mur du temple. Ce temple est la source de tous vos ennuis. C'est un affront fait aux Égyptiens. C'est absurde. Il a développé les activités et le commerce. Tout le monde en a profité. L'acolyte et le grand prêtre ne partagent sans doute pas ton avis. Oh, je n'ose pas penser à ce qui va m'arriver si le grand prêtre est tué. Il faut faire vite. Ça fera une vermine de moi. Tu vas crever. Je vais te transpercer. Bon la voir. Tu vas souffrir. Il est à moi. À portée de tir. Il s'apprêtait à m'immoler. Ne risque plus rien. Heureusement, tu n'étais pas au temple. Tu serais déjà mort. Par Sarapis, il m'aurait massacré. Ces Égyptiens sont des démons sans âme, pas des hommes. C'est un Égyptien qui t'a sauvé, prêtre. Souviens-t'en quand tu rendras grâce. Les Medjay protègent tous les hommes, quelle que soit leur origine. Ouais, bah ça, j'en ai vrai aussi. J'ai accouru dès le début des combats. Je vois que j'arrive trop tard. Merci de ton aide. Mais Jai, tu m'as beaucoup facilité la tâche. Tu arrives toujours au bon moment. Mais qu'est-ce que tu sais de ces bandits ? Ce sont des Égyptiens qui n'apprécient pas la présence des Grecs. Quant à savoir d'où viennent ces crapules, ça a dû les fâcher qu'on ose remplacer leur dieu par une divinité grecque. Je les comprends. Je crois que le calme ne reviendra pas de sitôt. Les Ptolémées n'ont toujours fait que nous diviser. Hélas, tu as raison. La Grèce a largement enrichi l'Égypte, mais certains refusent le progrès. Tout dépend de ce que tu appelles le progrès. Le progrès pour l'Égypte ou pour la Grèce. Adieu, Philakitai. Et
quand tu reprendras les armes, souviens-toi du Medjay. Ouais, bon, dans mon livre, je ne mettrai pas les trucs de... Je ne mettrai pas les villes du grec en Égypte, mais seulement l'Égypte antique, de l'ancien monde, comme on dit. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me mettre un commentaire. Moi, je vais faire quelque chose. Je vais continuer un peu avec les quêtes annexes et tout ça. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.